Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent. Alors si vous, vous vous retrouvez parfois là-dedans, eh bien sachez qu'il y a des raisons au fait que nous remettons à plus tard ce qu'on pourrait faire, évidemment le jour même parfois. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi cette procrastination est là. Eh bien, sachez que vous avez un conscient, vous avez un préconscient et vous avez un inconscient. Et moi, ce que je vous invite à identifier, c'est pourquoi quand ça marche, c'est-à-dire quand vous êtes en action, vous passez à l'action sur les choses, pourquoi ça fonctionne. En fait, ce qu'on a découvert dans le système neurophysiologique, c'est que vous avez besoin de deux choses. La première, ce sont des valeurs, c'est-à-dire quelles valeurs vous donnez, par exemple, au fait de faire du sport. En quoi c'est important pour vous? Est-ce que vous ressentez le bénéfice émotionnel du fait de faire du sport? Et ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez une idée de où et quand, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace, vous pourriez aller faire du sport. Et ensuite, il va falloir lier les deux, c'est-à-dire le plaisir que vous avez à l'idée de faire du sport, et ensuite focaliser ça sur une représentation dans le temps, c'est-à-dire demain, dans 3 jours, vendredi soir, ou je ne sais pas quand, et dans l'espace. Ce sera où et à quel endroit? Il faut absolument que dans votre cerveau, la vision de l'objectif soit en lien avec les valeurs importantes émotionnelles qui sont en lien avec l'activité que vous voulez. Si par exemple vous voulez appeler quelqu'un, vous sentez que c'est important de l'appeler, eh bien vous dites voilà, il faudrait que j'appelle telle personne. Pourquoi c'est important pour moi? C'est important parce que je vais avoir des réponses très claires sur ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire ensemble. Et la deuxième chose, c'est quand, à quel moment, à quel endroit spécifiquement je peux l'appeler. Donc je vous invite à identifier ces situations et puis à créer ce lien entre la vision, les valeurs pour générer une action. Expérimentez, vous allez voir, c'est assez puissant quand c'est bien fait. Merci.